L'affaire est révoltante et dans le petit village de L'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges, l'indignation avive encore l'angoisse. Un petit garçon de 4 ans et demi a été retrouvé noyé, pieds et poings liés. Sa famille est poursuivie depuis des années par la haine d'un homme, d'un corbeau, qui cette fois ne s'est pas contenté de coups de téléphone anonymes. La police mène une enquête d'autant plus difficile que l'assassin fait peut-être partie des 70 membres de la famille. Jean-Claude Darigaud. Un petit garçon de 4 ans noyé, pieds et poings liés, une cordelette autour du cou dans une rivière des Vosges. Depuis mardi soir, Grégory avait disparu. Quelques heures après, un coup de téléphone anonyme chez l'oncle de l'enfant. Dites aux parents du gamin que je me suis vengé, j'ai pris le fils du chef. Et le corbeau précisait, je l'ai mis dans la Vologne. La Vologne, c'est la rivière qui coule à proximité du village. Un village où on n'ignore pas que le chef, c'est le surnom qu'on a donné au père de Grégory, Jean-Marie Villemain. On sait aussi que Jean-Marie Villemain était l'objet depuis 2 ans de mystérieuses menaces. Jean-Marie Villemain, qui avait des différends familiaux et professionnels intimement liés, a pratiquement affirmé que l'assassin de son fils se situait parmi les membres de sa famille. Mais il n'a pour le moment livré aucun nom. L'enquête piétine.